En 2013, nous tiennent une famille à quatre, c'est-à-dire moi, mon madame, avec deux gosses. Mais quand il arrive à une inondation le 30 mars 2013 à Port-Louis, puis précisément au Coudan, côte d'Eleu, grande dentinelle, côte il y a 6 personnes qui ont décidé ensemble. Tragedy hit Alan Wright. His life took an unexpected turn due to flash floods. His wife and son died while they were at their place of work. A mourning that he still carries and which ultimately fuels his will to lead a campaign so that no one goes through such distress. Le mot flash flood même, il a commencé à partir de 2013. Personne n'a dit trop connu qui était un flash flood. Mais quand moi, je me rends pour lui, le 30 mars, à 7 heures. Soleil partout, tout le monde spécial qui est dans pour lui, etc. Mais jamais, moi, je pensais qu'il vers 2-3h30, un dégât considérable et mémorable pour le pays aussi. Accepter, c'est dur. Quand un parent, n'importe qui de vous qui lui perdit, accidentellement surtout, un membre de la famille ou deux membres de la famille, c'est un traumatisme. Un moment à l'autre, il disparaît, ou tout un cadavre devant vous, ou bien identifier qu'il est mort, c'est le moment le plus dur. Et moi, je recommande ça qui arrive n'importe qui pire ennemi qui n'est pas énorme. Si aujourd'hui, moi, je fais une causerie, une interview régulièrement, c'est juste pour expliquer la souffrance qui nous est là. Qui ne peut pas aller pire, je ne passe là-dedans. Located in the Indian Ocean, Mauritius, a volcanic island, is now facing the risks associated with climate change. The 1.2 million inhabitants are used to weather and other cyclones. But now, new phenomena have been disrupting the climate of the island. In 2008, a flash flood caused the death of 2 persons. In March 2013, due to a flash flood, which leaves an island in grief. A tragedy that shook the whole island, and this climate disaster created a shockwave, as the island was not used to such a phenomenon. Risk coordination and management has become a major challenge. A command post for all essential services is operated to each threat hazard, such as cyclones and other floods. This will hence minimize the impact of any danger. Le National Disaster Risk Reduction and Management Center, il s'est créé en 2013 suite à une catastrophe qui nous s'est trouvée, par exemple, le 30 mars 2013. Mais bien sûr, nous trouvons avant pas l'autorité pour assurer une coordination
quand il y a une catastrophe, que ce soit naturelle ou même une catastrophe industrielle, tout ça. Bon, le NDOMC dit là comment l'autorité principale, si demain il y a un problème, dit là, il fait la coordination avec ben, différents ministères, ben, différents acteurs, que ce soit la police, pompiers, tout bon acteur, ils viennent là ensemble, pour nous capables de gérer cette catastrophe-là. Et bien sûr, dans le NDOMC, nous avons le National Emergency Operation Command, comment nous tout connaissons, comment il y a un cyclone, comment il y a un gros lapier, une inondation, nous avons notre NEOC, le NEOC. Le NEOC est activé à trois niveaux. But the unpredictability and abruptness of the flash flood is also an issue that must be mastered. Maurice, comme on déjà connaît, nous avons une île, une des îles plus vulnérables. Ben, l'île, bien sûr, un côté, le niveau de la mer peut monter, ça nous déjà connaît, ça c'est un slow onset system. Le climat peut changer, la température peut monter. Même à Maurice, nous avons trouvé qu'il nous avons un pattern, sa façon que la pluie tombait, le pattern même est changé. Par exemple, avant, je peux finir gagner la pluie au commencement novembre, mais là, on peut trouver doucement, il peut shifter. Il peut aller un petit peu plus vers décembre. La saison, la pluie peut commencer vers décembre. Alors, nous pouvons déjà trouver cette même tendance-là. Et en plus de ça, nous pouvons remarquer qu'il y a une grosse pluie de forte intensité, mais de courte durée, peut augmenter. Déjà à Maurice. With the establishment of structures to manage these phenomena, it is also necessary to raise awareness and mobilize the population to prepare for any danger. Thus, training sessions are organized in different regions to prepare the population to take their responsibilities in case of natural calamities. Aujourd'hui, nous sommes à Grand Sable et en présence de nous, nous avons l'équipe CDRP de Grand Sable. Comment je me trouvais? Alors, hier, j'ai tout pris pour le gilet. Et comment on remarquait aussi, je fais plusieurs démonstrations telles que sandbagging. Sandbagging, basiquement, qui fait nous faire, c'est une technique qui nous employait, qui servait nous comme un barrage pour lui empêcher de l'eau rentrer dans la case. Et on a la corde, différents types de cordes aussi, et on a différents types de nœuds qui te montrent les autres. Et surtout quand on a une inondation, quand on a pu accrocher les autres, et on a différentes façons qui nous attacher. Je fais un mapping des autres endroits, qui commence grand sable et petit sable, il y a jusqu'à petit sable. Je vais identifier toutes les zones à risque, ok? Cette région-là, normalement, est affectée par inondation. Et maintenant, vous connaissez quel chemin vous avez besoin d'emprunter pour vous aller dans un centre, un evacuation center. Il ne faut pas faire un public, être fier des affaires qu'on appelle public health. L'autorité est là. L'autorité est là pour aider dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Mais une personne qui habite un endroit vulnérable, premièrement, c'est lui-même qui a risque. Alors, ce programme de CDRP, le Community Disaster Response Program, est basé, basiquement, des concepts qui nous caractérisent, le self-help, le mutual help. Quand nous avons un problème de débordement, c'est un problème qui, nous aussi, nous sommes capables d'aider un peu. Nous, quand la situation avant gravé, nous sommes capables de faire un petit peu ce qui nous peut apprendre. De ce côté-là. Et tout ça, information que nous apprenons là, tout nous gagnons, nous capables d'aider nous habitants de l'endroit. En cas d'emergency case, ça veut dire tant que nous contactons l'autorité, nous-mêmes nous allons descendre le terrain, nous commençons à travailler avant. Après, nous disons l'autorité venir et donner un grand coup de main encore. Nous travaillons là, nous pouvons plus avancer. Ça peut la vivre en dimanche. On the other hand, the authorities have also set up a structure to manage and monitor places at risk and thus minimizing the impact of floods on the island. La Land Drainage Authority fin créée en 2017 par le gouvernement. Premièrement, nous guette la coordination de la construction de drains qui est fait à travers l'île. Dans un second lieu, nous venons avec un plan d'ensemble, ce qu'on appelle la Land Drainage Master Plan, qui peut mieux aider à combattre le problème d'inondation. Donc, de ce fait, ça plan d'ensemble pour aider à mieux gérer comment nous pouvons faire pour tacler le problème d'inondation. Nous fin réalise 199 projets de drains à travers l'île. Ils vont vous faire ressortir aussi qui nous peut venir de l'avant avec un nouveau concept maintenant, qui s'appelle un concept durable. Dans le terme, nous avons dit sustainable practices, que nous pouvons essayer de ranger un pont de rétention, bassin de rétention, qui peut aider à capter de l'eau avant même de rentrer dans le village pour qu'il nous puisse réduire l'impact volume de l'eau qui peut venir dans le village. Ben, le but, c'est simple. C'est nous bien capables, avec le contexte qui nous peut faire face, avec le changement climatique, définitivement la vie, man, en jeu, ça m'a drain là pour aider.
comment on dit, nous pas dire qu'il nous peut éliminer le risque, mais nous peut diminuer le risque. Faced with danger and ever-changing skies, inhabitants of risk-prone areas stay on the alert and stay mobilized almost on a permanent basis, because the keyword remains risk reduction. Dans nos villages, sauf qu'en été, nous avons beaucoup d'inondations. Problème de drainage ou bien de l'eau descend la pluie 8 jours puis tombe dans 16 jours. Peut-être le climat changé, peut-être tout est déréglé. Devant une situation difficile, dans une inondation, nous devons préparer nous et prévenir. Nous devons connaître ce qu'il faut faire pour que personne ne perde la vie. Moi, j'habite au Grand Sable, je travaille, métier, pêcheur. J'ai tout à fait qu'il y a tous les climats changés. N'importe quel climat qui nous tient à des pôles qui nous tient là, aujourd'hui qui devant nous, nous ne pouvons pas même climat là. Nous avons déjà un air de guette, aujourd'hui soleil là, la journée là, soleil, joli soleil. Tantôt nous partons par la mer, là nous arrivons la moitié de la mer, quand disons, nous faisons qu'on dit 13 km. 13 km nous allons parler, là nous rentrons 5 km, le temps finit de lever. Nous avons besoin de retourner, nous vivons la case. D'après mon grand-père, moi, l'État est déréglé, nous trouvons, l'État est déréglé. Et pas même si moi tout seul qui a PC. Il y a plusieurs PC comme ça. Comme nous faisons prévoir nous, quand vous voyez une grosse pluie qu'on se tombe. Nous ne pouvons pas attendre quand dire qu'il y a de l'eau là, qu'il peut monter et dépasser. L'État n'a pas rien comprendre, nous devons prendre tout le monde, prendre nos précautions. Prendre nos précautions avant même. Qui fait, parce que nous avons fini de connaître l'État, il y a une série sans là. L'État finit sans zé. L'objectif, c'est que le système d'alerte vient améliorer pour répondre aux demandes de population. Le public, c'est qu'il y a un grand rôle pour jouer. Il vient comprendre le système d'alerte et en même temps, il reste vigilant et prend les précautions nécessaires. Pour nous dire, la gestion des risques, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire, c'est pas juste pour NDRMC, c'est pas juste pour la police, mais c'est l'affaire de tous. Quand nous levons la tête avec l'échelle, nous pensons là-haut. Et là, il y a une décision qui est décidée depuis là-haut, qui est incontrôlable pour nous.